Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne YouTube Français avec Joseph. Aujourd'hui, je vais vous présenter la suite de tout ce qu'on a vu avec les vidéos antécédentes. Encore un nouvel épisode de la grammaire. Mes frères et sœurs, si vous tombez sur ce didacticiel, afakum, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. On va jeter la lumière sur le pronom. Un conseil, la grammaire, ça s'apprend par cœur. Alors, apprenons-nous. Les pronoms personnels. Première personne du singulier, je, me. Deuxième personne du singulier, tu, te. Troisième personne du singulier, il, elle, la, le, lui. Première personne du pluriel, nous. Deuxième personne du pluriel, vous. Troisième personne du pluriel, il, elle, leur. Note très bien, le Y et on représentent des choses ou des idées. Les pronoms possessifs. Masculin singulier, le mien. Masculin pluriel, les miens. Féminin singulier, la mienne. Féminin pluriel, les miennes. Et aussi, le tien, les tiens, la tienne, les tiennes. Le sien, la sienne, les siennes. Le nôtre, la vôtre, les vôtres. Le leur, les leurs, la leur, les leurs. Regardez bien, les vôtres du masculin pluriel et les vôtres du féminin pluriel ne changent pas. C'est kiff kiff. Et c'est aussi le cas pour les leurs et les leurs. Les pronoms démonstratifs, simples ou composés. Les formes simples, par exemple, celui, celle, ce, celle, et neutre, par exemple, ce. Regardez bien, on ajoute sous le mot les adverbes si et là, avec un trait d'union et le résultat, les formes composées. Exemple, celui-ci, celui-là, celle-ci, celle-là, ceci, cela, celle-ci, celle-là. Ceci, cela, ça, ça. Les pronoms indéfinis. Par exemple, autre, autrui, certain. Chacun, même, nul, on, personne, plusieurs, qui. Quiconque, rien, aucun, l'un, l'autre, ni l'un, ni l'autre, etc. Pronom, un mot qui, dans une phrase, peut être employé à la place d'un nom ou un groupe nominal. On peut dire alors que le pronom est un représentant et un pronom de rappel. Un adverbe est un mot invariable qui s'écrit toujours de la même manière, qui complète un adjectif, un verbe, un autre adverbe ou bien une proposition pour en préciser ou en modifier le sens. Les formes simples. Exemple, bien, mal, vite, mieux, etc. Premièrement, exemple du passage de l'adjectif à l'adverbe. Adverbial, exemple, à raison de, à fur et à mesure, en général, etc. Adverbe emprunté à d'autres langues, exemple, gratis, ex aequo, crescendo, inconnu.